fais-leur, c'est quoi le cours aujourd'hui? Les manifestations de droit de résistance, John Locke et la Macronie. C'est qui? Un des penseurs majeurs du libéralisme des... Le 17e, il nous dit, dans le second traité du gouvernement civil, que le peuple est relevé de tout devoir d'obéissance en cas d'atteinte illégale contre ses libertés. Il peut s'opposer aux élus si ces derniers agissent contre la mission qui leur est confiée. Ainsi, il est essentiel de manifester face à un gouvernement gangréné par mensonges et conflits d'intérêts. Ouais. La résistance et la rue auront toujours plus de légitimité.